Salut, mais comment nous? J'espère que nous sommes tout en forme. Sommes plaisir pour ensemble avec nous pour parler de nos football. Parlons de football, c'est parler de football haïtien, parler de joueurs et joueuses haïtiens qui ont joué à l'étranger, qui ont fait pendant le week-end. Le week-end a déjà débarré. Côté que nous parlons de en pile joueurs haïtiens qui ont joué haïtiennes. Maintenant, plus accentué nous sous affaires joueuses haïtiennes qui ont joué dans AQMA, première division en pays de la France. Côté que il y a plusieurs et tout en deuxième division qui gagnent pour jouer tout. Nous parlons parler de ça, des en pile joueurs joueuses nouveaux qui gagnent pour entrer en compétition. Et tout, nous capables de faire un petit coup de parler de affaires championnat, des affaires sélection amputée. Il y a plusieurs amis qui parlent de nous, qui fait que nous pas parler de sélection ça qui s'est passé. Nous allons parler de ça et toute activité que nous capables de parler. Sauf que nous pas poster vidéo souvent, c'est parce que santé a pas porté nous tellement bien, mais nous fait il faut pour nous capables informer des affaires informations sportives sur le plan national, sur le plan footballistique. Nous absolument chaque ami qui a été depuis 2015, amis Chili, Brésil, Équateur, Guyane française, anglaise, amis tout qui Guadeloupe, Martinique, États-Unis, Canada, quel que soit côté, bah si j'avais ça, nous saluons. Nous parlons de football. Eh bien, nous avons commencé avec information qui ont des amis toujours à poser nos questions. Des affaires football amputées, sélection amputée à nous connaître par le participer. Nous avons Coupe du Monde amputée qui a fait dans le pays la Turquie à partir de mois d'octobre qui a venu là. Côté que sélection amputée ça a été quitté Haïti quelques jours de cela. Côté que il y a la cour en faute là il a préparé sérieusement. Côté que il y a passé près de 20. Près de 20, 25 à 26 jours aux États-Unis. Le 27, il a quitté les États-Unis à destination d'Istanbul. On a dit dans la Turquie, côté que, il peut participer dans les affaires Coupe du Monde amputé ça. Rêve, monsieur, aussi aller directement pour être capable de gommer, non seulement faire bonne figure et ouais, comment que, il était capable de remporter la compétition ça qui c'est Coupe du Monde amputé qu'a fait. Dans le pays, la Turquie, les qui nous connaissons un paquet de belles sélections qui n'ont en s'en Coupe du Monde, ça, pour nous citer la Turquie, pour nous citer tout le Libéria, la France et d'autres sélections qui nous ont fait la Coupe du Monde en petit ça. Haïti, qui a préparé sérieusement, nous connaît que yo gagne pour jouer pour le match, dans le que Haïti n'a pas capable de jouer le match football. Ça, comme ça, tout le monde a pile, mon abdomen, dans le que y a gardé pour le match. Parce que pour le match Haïti, yo gagne pour jouer contre Libéria, c'est 1er octobre, à partir de 5h30. Du matin, et puis il y a joué contre la France, il y a joué contre la France le 2 octobre, à partir de 9h30, pays d'Haïti. Et puis il y a joué à 1h contre la Turquie, contre la Turquie, le 3 il y a joué à 1h contre la Turquie, à partir de 1h, cap fait troisième match dans la compétition. Si là, on attend pour nous connaître, nous avons bien le jour, je dis déjà 9, il y a plusieurs jours qui étaient pour nous déjà parler de sélection, ça, qui a préparé sérieusement. Pour comment vous êtes capable de faire bonne figure dans les affaires Coupe du Monde amputé ça qu'a fait dans le pays la Turquie. Nous connaissons championnat AQMA, qui est le championnat français de football, première division française, qui a joué directement pendant le week-end ça qu'il a commencé. Je dis à la qui déjà relancé, qui déjà relancé. Match qui inaugural là, c'est l'équipe Paris Saint-Germain, qui a joué contre Chaussure. Match ball qui déjà gagné près de 4 minutes qu'il a joué là, toujours à 0-0. Nous connaissons que nous avons des joueurs haïtiennes qui ont joué en première division française. Les que nous connaissons, nous avons Nerilia Mondésir qui a joué en équipe Montpellier. Nous avons tout Patti Balou qui a joué FC, qui a joué en équipe Florian. Nous avons tout qui a joué en Dijon. C'est trois joueurs ça, nous avons en première division. Pays la France, ça ne pas oublier. Ça ne pas oublier comme maintenant qui est dans le stade de Reims, qui fait 4 joueuses, nous gagnons en première division. En première division, une charge, nous gagnons plus de joueuses qui ont joué en deuxième division. Pays la France, c'est comme ça, lui-même, la lié pour des joueurs, pour des joueuses haïtiennes qui ont joué dans la première division française. Comment ça a pu pour joueuses haïtiennes de Mansivé? Nous connaissons que de Mansivé, Guémon, puis les capjoues contre équipe, et DFC et féminine qui est Nice, capjoues contre à partir de 8h, Guingamp capjoues contre FC Fleury de Batiba, lui à partir de 8h30, Stade de Reims, cap recevoir l'équipe olympique de Lyonnaise, là, à partir de 6h45 dimanche. Nous croyons que le match a fait bonheur. L'équipe Coventina, yo déjà dans la conférence de presse, monsieur madame Lam, qui a dit qui c'est maître, qui c'est entraîneur l'équipe et Stade de Reims. Ils ont été très motivés et ils ont travaillé pour être capable de voir comment ils sont capables
fait plus bagarre année si là dans affaire championnat de France là pour côté comme capable à faire plus bagaille pour comment est capable de gérer équipe là et même faire plus bagarre année si là. N'a pas tant vous connaît comment ça va aller, comment ça va aller pour jouer Znouyo, comment ça va jouer pour aller pour battre Baloui pour deux trois joueurs qui a joué dans affaire championnat de France de football là, c'est tout à fait important, important, l'étape vraiment importante pour nous connaître comment ça appuyer pour des joueurs nouveaux qui est déjà là, qui a bataillé sérieusement pour comment que ils capable faire un bagage qui beaucoup plus sérieux. Eh bien, nous parler directement dans quelques autres informations que nous capable nous t'a doué parler de joueurs haïtiens actuellement que pendant parler ensemble voilà dans deuxième dans national qui c'est troisième division puis la France une équipe FC Versailles et qui a que des Bondy Prunier qui gagne près de 3 matchs à qu'il pas joué ne pas jamais connaître ce qui s'est blessé le blessé chercher information pour connaître s'il blessé nous pas connaît cap mené 1 à 0 sur équipe Dunkirk là Dunkirk de Leverton Pierre match football jusqu'à présent qui a pris toujours 1 à 0 et tout nous gagnons dans la deuxième division pays la France dans pays la France côté qui gagne Johnny Placide qui avec équipe Bastia nous connaît que cap jouer en deuxième division la France qui vient pour jouer à partir de mon CV journée ça a commencé après a commencé commencer à appuyer pour Bastia cap jouer contre Nîmes à 1h de mon CV dans championnat si là pour t'a dit toute journée au cap contre Saint-Étienne Bordeaux Nîmes contre Bastia Grenoble contre Paris Saint-Germain Dijon contre Sochaux Nîmes contre Le Havre à partir de 1h gain tout Laval contre pas pour FC quand lui-même cap jouer contre Amiens tant coup équipe Anisien cap jouer contre Crevelli à 1h Rodez contre Valenciennes 1h et puis FC Metz cap jouer contre Guingamp à lundi à 2h45 qui gagnait et donne-lui Jean-Jacques lui-même qui dans l'équipe ça qui a fait bonheur équipe ça qui commençait prend pile galon dans l'équipe ça ne souhaitait que donne-lui Jean-Jacques lui-même qui a fait plus dans les affaires championnat ça et puis tout gagné dans affaires championnat et championnat pays d'Israël gagné équipe Maccabi Haïfa qui vient pour jouer journée ça cap jouer et devant CV et n'a qu'un temps pour tout match pour gagner Fondi Pierrot lui-même qui convoqué pour match football ça ne pas oublier ça ne pas oublier tout et gagné tout équipe Vitesse Arena qui vient pour le jouer et pour jouer week-end ça Akus Callens tout qui déjà là qui était participé dans 11 heures de départ qui s'est dit 11 heures type week-end qui se passe n'a souhaité que Akus Callens lui-même lui t'a continué et continuer fait bagaille continuer à bien jouer dans le championnat si là c'est tout à fait pour les affaires pour Akus Callens lui-même qui gagne directement pour lui continuer bien travail dans le championnat parce que Vitesse qui gagne pour jouer dimanche contre équipe Utrecht là à partir au gain pour jouer dimanche c'est dimanche que eux-mêmes yo gagne pour jouer dans le championnat si là quoi que important une information pour vous au niveau joueur haïtien qui joue au niveau international là je vais te connecter sur le channel là pour plus d'informations.